vous allez redescendre. D'accord. Vous en faites partie, monsieur. On aura fait tous les moyens de transport. Et on dit. En route, c'est que la charrette est lourde. Au revoir. Au revoir. On rentre en calèche à Paris. Bonjour madame. C'est votre première fois, hein? C'est ma première fois. Oui, oui, ça, je le vois. Vous avez peur? Non, j'ai pas peur. Oui. Eddie, ça avance pas. Beaucoup en hiver et puis que l'été vous mangez rien, oui vous allez peut-être maigrir, mais ça va pas bien se passer au bout d'un moment. Eux ils sont pareils. Donc, c'est ce qui permet qu'ils vivent généralement jusqu'à 25 ans. La doyenne elle a 20 ans, c'est Charlotte, elle fait encore des promenades en attelage comme ça, j'ai des petits groupes, parce que je reçois pas que des groupes, je reçois du particulier aussi, on fait aussi des mariages. Si j'ai un mariage ou une petite voiture, ça lui arrive fréquemment d'y aller et elle est contente comme tout. Tant qu'elle sera capable. En plus, quand on la sort pas, elle appelle. Là, je suis étonnée qu'elle ne nous ait pas encore appelé pour dire « vous m'avez oublié hein. ». Voilà. Donc, et nous, on en a toujours entre 18 et 15 toute l'année. En ce moment, on en a 15. Alors, cette année, vous ne verrez pas de tout petits poulains. Pour une raison toute simple, c'est qu'on n'a pas pu faire reproduire l'année dernière, donc faire saillir le jument, puisqu'une jument, elle porte pendant 11 mois son poulain. Donc un poulain par an. Et l'année dernière, il y a eu des problèmes avec les harins nationaux qui nous ont apporté une maladie qui s'appelait l'AVE, qui est une maladie contagieuse et qui fait que si votre élevage est pollué par cette maladie, vous ne pouvez plus vendre vos produits sur l'étranger et vous avez des risques de perte. Donc nous, l'année dernière, on a dit on ne saillit pas pour pas avoir de problème. Donc vous ne verrez que des produits qui ont un an, qui viennent de prendre un an. Pour moi, je vous explique. Alors là, ils sont rangés. Alors c'est un petit échantillonnage et ils sont rangés des plus vieux aux plus jeunes. Alors les deux chevaux qui vous ont emmenés sont des chevaux, je ne sais pas si vous allez demander l'âge, qui ont 13 ans, celui qui était à droite, c'était Honneur, et qui va prendre ses 14 ans, et Kiss qui était à gauche, qui va prendre ses 11 ans. Alors le percheron, pour pouvoir faire partie de ce qu'on appelle le studbook percheron, c'est-à-dire le livre de la généalogie, il y a plusieurs critères. Déjà, que les parents soient déjà inscrits à ce livre. Et que quand le poulain naisse, il soit conforme au point de vue couleur, déjà. Alors le percheron, il n'y a que deux couleurs. Il est comme nous, le gris,
quand il naît, le poulain naît tout noir. Bien sûr, sauf s'il a une lisse, une marque blanche, une grande marque blanche, des choses comme ça, mais sinon le reste c'est tout noir. Et aux alentours de 4-5 mois, il va commencer à changer de couleur, d'abord en commençant par les yeux, le bout de nez, reste où vous êtes. Le bout de nez, il va éclaircir, il va pouvoir passer gris fer comme ça, gris pommelé comme celle-là, et il va éclaircir, il va finir une place. Mais alors, c'est pas parce que... On a du percheron noir parce qu'à une certaine époque, au début, en 1900, je ne sais plus trop combien, début du siècle, on a ouvert notre livre de généalogie à ce qu'on appelait le trait du Maine, qui était un gros cheval de trait noir, qui est rentré dans le livre de la généalogie et qui nous a amené la couleur noire. Voilà. Alors ensuite, il y a des éleveurs qui cherchent beaucoup le noir. Arrête, chipi, s'il te plaît. Qui cherchent beaucoup le noir. Nous, ce qu'on recherche, c'est ça, c'est le gris pommelé. Parce que c'est très beau. Bon, c'est vrai que ça ne dure pas longtemps. C'est vrai que des chevaux blancs, si vous voulez qu'ils soient bien, il faut les laver. Il n'y a rien à faire. Par exemple, quand on va parfaire des mariages, qu'on fait à peu près régulièrement, eh bien, c'est vrai que la veille, les chevaux, ils sont lavés. Même souvent, c'est lavé le jeudi, le vendredi. Puis le samedi matin, avant de partir, ben, vu qu'il y a encore une tâche, ben, on commence un petit peu. Voilà. Mais bon, il faut quand même savoir qu'un cheval noir, s'il n'est pas lavé, vous allez le sentir. Hein. Donc, ça revient au même. Voilà. Alors là, on a deux, donc elle 3 ans, l'autre 4 ans. La 4 ans serait bonne à mettre à l'insémination, donc à la saillie. On peut commencer à partir de 4 ans. Cette année, on a mis 4 juments poulinières qui ont déjà pouliné. Donc, cette année, on la laisse tranquille. Elle sera mise à la saillie à 5 ans. Mais on a autorisation à partir de 4 ans. Alors, une chose vous font dire que quand un cheval est percheron plein papier, comme un chien ou Olof qui va être confirmé, nous, quand ils naissent, on a ce qu'on appelle un demi-carnet qui indique le nom du père, le nom de la mère, s'il est bien. Et quand le cheval est encore sous sa mère, le poney est encore sous sa mère, on a quelqu'un de la société hippique française qui vient, société hippique percheronne française, qui vient. Qui regarde si le cheval est bien conforme au standard, la couleur, la tête, et de là il va être marqué. Alors elle n'est pas très belle sa marque, j'en ferai voir d'autres. C'est un S, parce qu'il l'a fait mal, et un P enlacé. Normalement ça devrait être S et P comme ça, enlacé. Société Percheronne. Ça veut dire que le cheval il a ses papiers. Et à partir du moment où il est marqué, ce qui a été marqué sur les papiers, ça part à Pompadour, ou à Rade Pompadour, qui nous renvoie les papiers dans les 3 premières. Touche à peine 100 euros. Oh. Ah oui, d'accord. Donc le risque d'abîmer un cheval, un poulain. Donc nous, on a dit non. En plus, il y a la deuxième chose, les concours de modèle et à dure. L'ure, généralement, c'est au mois de septembre, juillet, août, septembre. C'est le plein moment où moi je reçois du monde. Donc j'ai aussi un choix à faire. Pour faire vivre mon élevage, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Que je fasse des concours en perdant de l'argent, ou que j'accueille du monde qui va me permettre de garder un élevage? C'est un choix. Voilà. Par contre, à Red Chippy, on fait les concours d'attelage. Parce que là, vous faites voir des chevaux. Parce que beaucoup de gens nous disent, bah, le percheron, on en fait quoi? Bah, le percheron, c'est un cheval. On peut faire de l'attelage, on peut faire de l'équitation. Les deux que vous avez, ils sont montés quand on n'a pas le temps ou qu'on a envie de se faire plaisir. Nous, bien souvent, on met la selle. Alors, ce n'est pas une selle spéciale percheron. Moi, je monte un de mes chevaux avec une Wintex et une selle de dressage, tout ce qui est standard. Donc, ça, c'est pareil. Vous avez dû faire un petit bout de galop en revenant. Oui, oui, oui. C'est des chevaux, hein, ils galopent, hein, pareil. Voilà. Donc, c'est pour ça. On fait voir. En attelage, ça nous permet plus, nous, puisqu'on élève des chevaux, on les fait naître, on les utilise, mais on les vend aussi, de faire voir aux gens, et c'est plus facile de vendre des chevaux quand vous voyez tout ce qu'on peut faire avec, que si vous venez là, vous dites, bon, ils sont jolis, hein, mais qu'est-ce que je veux en faire, national? Et puis moi, parce que comme je ne fais pas trop d'attelage, parce que je préfère m'occuper des chevaux que d'atteler, moi, je suis arrêtée au galop 5, qui est tout ce qu'il y a de largement, même pour aller atteler. Et puis vous avez eu ma petite belle-fille derrière, qui parle. On va aller voir. C'était formidable. Donc, hein. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un hongre. Alors, dans le cheval, il y a
La jument, bien sûr, bon, le poulain, poulain pouliche. La jument et le mâne. Alors la jument, pareil, elle a plusieurs noms, elle est pouliche. Tant qu'elle n'a pas été saillie ou qu'elle n'a pas eu les talons ou qu'elle n'a pas eu une insémination. Après, elle ne veut pas jument. Elle est jument suitée quand elle a un poulain derrière elle. Donc suitée, ça veut dire suivie d'un poulain. Elle est jument non suitée quand elle a été saillie et que la saillie n'a pas prise. Mais elle a quand même le droit à être jument, poulinière non suitée. Les mâles, par contre, eux, ils ont comme dénomination, bah, on va dire, les derniers, je veux dire que c'est des mâles, ils ont un an. Ils ne peuvent pas encore reproduire, ils sont trop jeunes de toute façon. Après, ils deviennent, on les appelle des entiers. Alors l'entier, c'est un cheval bah, qui est capable de reproduire en âge, mais qui n'a pas eu l'autorisation des haras nationaux. Puisque pour avoir le droit de saillir, on a, c'est les haras nationaux qui donnent encore l'autorisation, suivant le critère. Alors c'est pas que suivant le critère, parce que moi j'ai eu des très beaux chevaux. J'en ai un qui est parti il y a trois mois maintenant, il est en Bulgarie, un entier noir. On n'a jamais voulu me l'approuver parce qu'il n'était pas dans la bonne maison de nom. Il serait passé chez un de mes voisins qui était talonnier, il serait passé tout de suite. En Bulgarie, ils l'ont acheté parce qu'ils n'ont pas les mêmes règles au point de vue reproduction que chez nous. Donc, il est entier et à partir du moment où les haras donnent l'autorisation, il devient étalon. Alors, un entier qui ne passe pas étalon, généralement, il devient ongre. Donc, on le castre. Ah, d'accord. Tout comme ceux qui vous ont emmené. Alors, pourquoi? Alors, je vais dire, parce que souvent, j'ai des messieurs qui me disent, ah, les pauvres. Comment dire? Ben oui, mais on voit des poulains qui ne sont pas chers. Je dis, oui, mais vous ne voyez pas. Comment ils ont été élevés? Entre des poulains comme ça, qui ont été enlevés de leur mère, et qui ont passé tout l'hiver rentrés, c'est-à-dire au contact de l'homme, tous les jours, puisqu'on fait les boxes, on balaye, on ratisse, ils ont leur licol, on les sort. Et des poulains que vous enlevez de la mère, que vous laissez au fond d'un herbage, et que vous allez ressortir qu'à 18 mois ou 2 ans, quand ils vont avoir l'âge d'être dressés, j'assure que vous n'allez pas avoir les mêmes poulains. Parce que le travail est déjà fait. Par exemple, quand vous voyez là, elle me sent, elle essaye, ce qu'on dit, de chouiner les cheveux, elle prend une claque, c'est pas ce qu'elle a pris, ça va lui faire mal, mais bon, on l'éduque, c'est son éducation. Et cette partie d'éducation, ça fait plus de 50% dans le dressage, pour la suite, que ce soit le dressage en équitation, ou le dressage en nature. Gavotte du Mont. Et un jour, en cherchant dans le sous-bouche, j'ai trouvé une gavotte du Mont, et j'ai pas regardé, et sans regarder, j'ai une couleur belle, donc rouge, c'est pas possible. En fin de compte, c'est un trotteur. Et il y a un autre élevage, d'autres auteurs qui s'appellent « Tous ces produits sont des Dumont ». Et c'est marrant parce qu'on a une gavotte, on a une légende, on a une chipie et ils ont exactement les mêmes noms. Ici, ils sont faits tous les jours, mais on enlève le crottin, tout ce qui arrive sur le béton, le crottin, là par exemple les crottins qu'on voit, on les enlève et on repaille. D'accord. Hello. Hello. Oh bah décidément. Toujours prévenir de manière à ce qu'ils ne soient pas surpris. Ah ouais. Et plus vous êtes prêts, moins c'est dangereux. Ah ouais. Alors c'est une question de priorité. Quand il n'y avait pas de voiture, très peu. Alors on allait au marché, on faisait la même chose qu'à l'heure actuelle. Donc dans les petites fermes, ils avaient ce genre de véhicule. Alors on appelait ça la carriole, mais ils ont chacun un nom qui est vraiment propre. Ça c'est une bailleusaine. Pourquoi? C'est une voiture qui était fabriquée dans la ville de Bayeux, dans le Calvados. Elle est spécifique à la découpe des petits bois que vous voyez. Toutes les bailleusaines sont faites avec des petits bois comme ça. Qu'elles soient en deux roues ou en quatre roues, comme ce que vous avez en deux. Alors ça, dans les petites fermes, on avait ça. Avec ça, on allait au marché, mais on allait aussi à l'église, les besoins courants de la vie. Les fermes un peu plus importantes avaient une deuxième voiture. Toujours une carriole pour l'époque, mais c'est une voiture anglaise. Cette voiture-là, normalement, elle servait à aller à l'église, à aller faire aussi le tour de l'exploitation, parce qu'il faut quand même savoir que dans les grosses fermes, le patron, c'est un homme qui ne met pas les mains à la tâche. C'est un homme qui fait le tour de ses charretiers, qui s'occupait des chevaux, de ses commis, mais qui ne travaillait pas dans le perche. C'est-à-dire que son travail, c'était de faire une tournée. Ouais. Et d'aller d'emmener sa femme le week-end à la
puis d'aller à l'annexe à côté. C'était appelé avec, pas un percheron, mais bien souvent avec ce qu'on disait que c'était un petit bidet, c'est-à-dire un cheval qui n'avait pas spécialement une race, mais qui passait toute l'année à l'écurie. C'est-à-dire qu'il était prêt, c'était la voiture, quand monsieur le patron avait besoin de sa voiture, on appelait le cheval. Alors après, on a vraiment un plateau sous roue. Alors celui-là, il est sous roue, puisque c'est un plateau qui a été fait après-guerre, donc avec des pneus militaires, mais qui a été fait vraiment, qui n'a pas été modifié. Beaucoup de matériel agricole ont été modifiés après-guerre pour passer de roue comme ça en roue comme ça. Celui-là, il a été vraiment comme ça. À côté, on a ce qu'on appelle une gerbière. C'était pour rentrer les gerbes. Le foin, la paille, voilà, la longueur. On attelait ça avec deux chevaux, mais pas comme ceux qui vous ont emmenés, c'est-à-dire côte à côte, mais l'un devant l'autre. Et on pouvait même, en changeant ces parties-là, qu'on appelle des échelles, on mettait des échelles pleines et on rentrait aussi chez nous les pommes. Vous voyez, plein, il y avait quelques tonnes de pommes. Après, derrière, c'est ce qu'on appelle le tombereau. Eh bien, le tombereau, c'était la benne qui servait à tout faire. Elle sortait à peu près tous les jours les cailloux, le fumier, les betteraves, tout ce qu'on peut faire avec les bennes de tracteur. Ensuite, deux petits véhicules, ville, campagne. 1890, petit véhicule de ville qui servait, son nom c'est un Phaéton. Derrière il y a des bancs, il servait à aller à la gare. Chercher ben, les gens qui allaient à la gare, parce que le train était déjà là quand même, et ramener les bagages. Celui d'à côté, campagne, son nom, il change de nom, ça s'appelle un camion. Il a des échelles comme ça, qui sont rangées, et on mettait dedans les petits moutons, les petits veaux, pour aller au marché. C'est un véhicule de marché. Après, l'autre véhicule, c'est un peu un véhicule hybride qui est à moitié entre la bailleuse, la gerbière. C'est tout simplement un véhicule qui a été fabriqué ici, sur cette commune-là, par des gens qui avaient une toute petite ferme et qui ne pouvaient pas se payer l'ensemble. Donc, il servait à tout faire. Nous, on l'a justement racheté parce qu'on sait que c'est un véhicule qui a plus de 100 ans, qui a été fait ici. Et bon, la personne qui nous l'a amené était partie avec ses parents, elle avait 4 ans, il y a 80 ans de la Ménière. Donc, C'est du alors, super bois. Oui, oui, oui. Ah ben, ces véhicules-là, ils ne bougent pas à une condition, à l'abri, à des endroits secs au sol. C'est, vous la mettez 3 ans dehors, et elle est morte. C'est quoi comme bois, vous savez? Il faudra demander à mon époux, ça. D'accord. Moi, j'ai... Il y a des parties, je ne sais pas. Alors après, l'autre côté, c'est plus transport. Là, on a... Diligence? Non. Même pas. Une voiture. Waouh. Alors, c'est une voiture de château, à l'origine. C'est une voiture de château, puisqu'on l'a acheté à Rouen. Et c'est un omnibus. Et on rajoute un impérial. Tous les véhicules qui ont un siège en haut sont impérial. Alors, c'est un petit omnibus privé, pour mettre 4-6 personnes. Alors nous, il est ce qu'on appelle dans son jus, on l'a acheté comme ça. Normalement, il doit partir sur l'étranger pour pouvoir être refait à neuf, parce que c'est un véhicule signé par un carrosse. Et on l'a justement pris parce qu'il est entier, il ne manque rien. Ensuite, à côté, bah, tout véhicule de transport comme celui qui vous a emmené, mais c'est jamais qu'un prêtre à grandir. Non mais, quand est-ce qu'on a commencé à faire des gerbières? Ah, les gerbières, c'est... Oh oui. C'est le début du siècle. Oui. Oh non, 18e, 1850. Fin 18e. Parce que des grosses voitures comme ça, ça n'existait pas dans le temps. Les exploitations, c'était des exploitations qui faisaient 3-4 hectares. Et encore, il y avait une vache, deux vaches, trois poulets. Donc on a augmenté la capacité. Tout à fait. Là, ça, c'est une voiture des années 30. Enfin, celle-là, elle est même plus vieille. Et encore. Parce qu'après, a paru le pneu avec la guerre, est apparu le pneu, c'est-à-dire ça. Et alors là, on a totalement abandonné le bois et les roues fer. Autre question que je n'ai pas su répondre, c'est quoi comme bois? Oui, le bois. Ah,
C'est du ? Du frêne. Du frêne. C'est du bois léger, mais résistant et souple. Ok. C'était avec une gerbière comme ça, vous la maniez tout seul. Hein ? Ah oui ? Oui, oui, sans problème. Et en même temps, c'est solide. Ah oui, oui, oui. Il est solide, oui. Bien sûr. Non, c'est impressionnant, mais c'est très léger en fin de compte. Le plateau, on doit le porter à 3, quoi. Le plus lourd, c'est les roues. C'est les roues. Parce que là, vous avez les essieux en métal, vous avez des roues. Et le fuel. Voilà. On se déplace, on va jusqu'en Allemagne. Tout moi qu'on aille, c'est l'Allemagne. Et celle-là, elle est, celle-là, je ne sais plus son prix en location, celle-là, elle est à 380 euros, non ? 525 euros, c'est vrai. Avec deux chevaux. Oui, non, la dame me demandait deux chevaux et un meneur. On parle très souvent en père, parce que c'est beaucoup plus joli. C'est plus joli qu'un seul cheval. C'est moins fréquent et c'est plus joli. Celle-là, par exemple, ça nous arrive de la faire à un cheval. Bon, là, ça vaut 300 euros, c'est la cote. 300 euros. C'est moins imposant quand vous arrivez. Normalement, on est moins speed. Voilà, c'est sûr. Merci bien. Bonne journée. Merci, vous de même. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci. Alors, bon repas. Merci. À bien. Prenez des stagiaires. Merci pour la balade. Voilà, ça passe à la télé. Ça va ? Oui, là, normalement, ça va. Très agréable, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Merci. Bien, j'ai dormi. Ça va. Ouh, il y a des moucas bruns. Tu vas casser la vitre. Vous avez aimé? Très bien. C'est très instructif en plus. Très bien. Par contre, elle compte avoir faim. Non, merci. Faire un mariage en calèche. Non, mais je suis déjà mariée, moi. C'est bon? Bah, quand c'est un mariage. Ah, pour mon fils, peut-être bientôt. Mariage. Dans ton titre. I am continued. Oh là! You speak English? Yes, yes, I am speaking English. Vas-y. Ah oui, mais non, mais ça c'est clair. Bonjour. Bonjour. Welcome. Ce n'était pas prévu. Bonjour. Je vais manger ce matin. Ah, bonjour. Salut le caméraman. Bonjour. Bonjour. Michel, tu savais que tu allais faire du quad, tu t'es habillé en bleu, la même couleur que le quad, quoi. Hein ? Ouais. Question après tant de voyages dans le bus. Un peu fatigué. C'est long.
un peu fatigué, mais on attend la suite avec impatience. Quand même, vous êtes quand même satisfaite pour l'instant du déroulement de... Je suis très satisfaite du déroulement de la journée. Bon. Et le temps est clément. En voilà. Plus. Madame. Moi aussi, tout va bien pourvu que ça dure. Des bandes pas comme on les connaît. C'est pour les plus petits. Les petits, on les met là. Assalamu alaikum, la baisse alik. Alhamdoulilah. Il y a même Larissa, t'as vu? Hein? Mmh. Alors, on l'a pas vu. Mmh. Tac. Non, on va tranquille. Ah, ben allez. Regarde, c'est là. Asseyez-vous. C'est ça avec le coup de girofle dedans. Ouais, ouais. Ouais. Faites-le, vous bébé. Vous en prenez à ranger, on en a aussi. Quelle idée. C'est ouais, un coup de girofle. Ouais, ouais. Non, ce serait bien. J'ai déjà fait. Hein. Avec le vin rosé en plus. Un coup de girofle. Oui, un coup de girofle. Un coup de girofle. Alors, est-ce que ça convient le vin rosé? Impeccable. C'est bien, c'est très frais. Un peu de sel. Allez, on y va. Moi, j'en ai un petit. Ouais. Un petit pour moi. Regarde Marie-Claire, elle est bête, elle est pas belle. Merci. Oh, bah oui, alors. Mais t'es pas là. Elle m'écoute pas. Je ne peux pas la faire. Je ne peux pas éviter de prendre la tête parce que je vais venir me saluer. Merci. Allô, Wem. Merci, monsieur. C'est naturel, on peut immortaliser le moment. On vous emmène avec nous dans la petite boîte. Rosé pêche qui cheese. De quel secteur? Du jus d'orange. Tu bois pas d'alcool, toi, Marie-Claire? Merci. T'es une petite joueuse. Top. Moi c'est toi, moi toi. Non, on est dans la terre. On est sous la terre. Donc je fais du bien de prendre un peu de soleil alors. C'est tout frais. Hein. C'est frais. Hein. Oui, c'est très bon. C'est très bon. Soleil, miam, 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 miam. Ah bon? Et tout à l'heure dans le bus, tout le monde va chanter. Oh là 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 là. C'est good? C'est cool, underground? Non, c'est cool. C'est cool? Ah bon? C'est cool. C'est cool. Ça, le soleil, j'y allais parce qu'on connaît bien les prix seniors. Donc là, au soir, quand on a un groupe, on l'appelle. On monte, tous les nuages à droite, tous les nuages à gauche pour pas les voir. Et dans le coup, on a un micro qui nous permet de voir. Vous allez, ok.
Ah bon, vas-y. Depuis que je suis... La carrière est sur le terrain. On va passer dedans, c'est vraiment la pierre du coin. La pierre du coin. En activité diverse, donc, suivant les activités, on a aussi bien du quad, du VTT, de la chasse au laser, de l'orientation, des baptêmes 4x4, donc il y a 34x4 ou avec 30 moniteurs quand il y a besoin. On fait de la pêche en étang, de la pêche en rivière, on a 3 terrains de paintball, y compris le plus grand de France sur 54 hectares. On fait de la balade en calèche, du baptême hélico parce qu'on a un héliport, ça peut être, il y a Transgulem aussi, ça peut être de l'U. Voilà, c'est, à chaque fois c'est différent quoi. Donc on propose plein de choses et les gens piochent ce qu'ils veulent à droite à gauche. Et vous êtes combien à faire ça? Deux, Sabine et moi. Puis il y a Fredo qui vient nous aider aujourd'hui pour une activité annexe. C'est bien. Et on prend quand il y a besoin des professionnels diplômés pour nous aider dans différentes activités quand il y a besoin. Alors 6 mois de l'année on est ici, et 6 mois de l'année on travaille dans les déserts. Voilà, donc du mois d'octobre, de mi-octobre jusqu'à... Nous on est organisateur, on a trois casquettes, on est organisateur de raids et randonnées dans les déserts, donc ça peut être n'importe où sur la planète, parce que Sabine, elle, son vrai boulot, elle est photographe de volcans, et moi je suis chirurgien en chirurgie catastrophe. La deuxième casquette, on est concurrent de rallye raid aussi, donc on fait aussi bien des Dakar, moi j'ai fait 4 fois en moto, 4 fois en voiture, 10 fois comme médecin, et Sabine fait tous les rallyes féminins, en camion, en quad, voilà. Moi c'est le boulot aussi. Moi j'étais recommandé de en moto, c'est... Une fois le bol d'or, cette fois les 24 heures. Donc on est habitué, c'est des choses qu'on pratique tous les jours. Et puis la troisième casquette, c'est on fait assistance médicale dans les raids également. Donc moi je suis en hélico souvent comme médecin. Et puis Sabine, on voit un 4x4 ou un camion médicalisé, l'oxygène, les matacotis, tout ce qu'il faut pour. Moi j'ai jamais pratiqué en cabinet. Non, j'ai toujours été avec médecin de l'aventure, médecin sans frontières, des choses comme ça. Comme ma spécialité c'est la catastrophe. Et j'ai jamais fait payer de ma vie une consultation. Une opération, ça a toujours été gratuit, bénévole. C'est pour ça qu'on a une activité à côté. Et par exemple, sur les conflits, tout ça, tu as déjà fait un truc comme ça ? 20 ans, pendant 20 ans, ouais. Oh, c'est un baroudeur. Ouais, bah on fait que ça. Bon, on a habité en Ukraine, on a habité en Roumanie, on a habité 6 ans au Venezuela, on a habité en République Dominicaine, c'est pour ça qu'on a un voisin. Quand tu parles de Martinique, on allait faire le plein là-bas. En bon rhum ? Tu m'étonnes, bah ouais, du rhum. Parce que le rhum qu'on a en République Dominicaine, il est pas. Non, il est terrestre, c'est pas du rhum. C'est pas du rhum, c'est du rhum. Non, c'est du rhum rhum qui est pas. C'est un truc que tu picoles, t'es malade quoi. Ouais, c'est pour penser les chevaux. Voilà, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, il y a. Comme moi, là-bas, j'étais médecin des pompiers en République Dominicaine. Et à chaque semaine sainte, la semaine à Santa qu'ils appellent là-bas, enfin, c'est-à-dire une semaine, ils sortent du rhum dans des bouteilles en plastique. Parce que les gens sont tellement imbibés d'alcool et complètement bourrés qu'ils balancent les bouteilles n'importe où. Ils sont dans les cours d'eau parce qu'ils se rafraîchissent et tout ça. Donc ils ont ordre de sortir uniquement à ce moment-là des petites flasques en plastique. Et quand tu lis l'étiquette, la première fois mon fils il me fait dire, tu te rends compte de ce qui est marqué ? Alors que quand tu regardes bien, c'est marqué, il fait plus de 55 degrés le rhum, et c'est marqué n'allume pas une cigarette à côté. Alors, quand tu dis c'est pour penser les faux, ouais, je suis complètement ça. D'accord. C'est pour ça qu'on allait en Martinique acheter parce que le meilleur rhum, il est là-bas. Évidemment. Ah, mais de toute façon, tu parles convaincu. Bah, oui. Il y a le rhum charrette à La Réunion, j'aime pas. La sœur de Sabine habite à La Réunion, c'est la même chose. Quoi. C'est pas du tout la même technique, la même façon. C'est pas le fruité pareil. C'est ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Un bon laisson, un bon boni. Hein, ça vaut tout l'or du monde. Ouais, la monite, c'est ça, les fabriques et tout, c'est génial. Eh ben, je suis du coin, moi. Ah ouais. Je suis de la ville où fabrique ce rhum. Rivière Pilote. Ah, Rivière Pilote, oui, d'accord. Oui. Là, okay. Ah ouais, t'as baroudé partout alors. En fait. Mais attends, après, dans 2 ans, nous, on quitte ici, on va vendre ici, et on repart dans les Caraïbes habiter là-bas. Parce que là-bas, dans les Caraïbes, je suis fabricant de poupées. Comme médecin, je le fais bénévolement, donc je suis souvent médecin ou des gardes-côtes ou des pompiers. Je fabrique des poupées antillaises. Donc c'est pour ça que les Antilles, je suis un passionné. Je te ferai voir tout à l'heure. Je fabrique des poupées avec les costumes des Antilles, que je vends aux touristes, tous les Américains qui arrivent en bateau ou les autres. Donc nous, on achète un catamaran et on va faire cabine d'hôte là-bas. Ah ouais, c'est intéressant. Parce que je suis aussi moniteur de plongée sous-marine, donc les gens vont venir une semaine ou 15 jours. Et dans le bateau, on peut accueillir 10 personnes. Vous nous donnez une vie de rêve là. Ouais. Et j'ai l'habitude de dire qu'on. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous accompagner Ça va. Nous, on travaille comme les gynécologues. Si on travaille comme les gynécologues. Là où les autres s'amusent. C'est super. Pose devant, ça marche. T'as perdu. Merci. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de sous dedans.
C'est bien, vous arrivez à vous asseoir, c'est bien. Vous êtes souple, hein, vous êtes très souple. Hein. Ah, nous sommes à table. Nous allons manger du couscous. Mais Jean-Jacques est là. Je suis trop grand. Moi, je sais pourquoi ils ont mis un peu de tout, parce que c'est par rapport au doigt. Moi, je me mettrais bien sur une chaise, là. Bon, j'ai pas, je reste debout, hein, j'ai pas de place pour m'asseoir. Ah bon? T'as baissé une petite place pour moi? De penser toujours aux autres. Bah ouais. Si vous manquez quelque chose, oui. De la moutarde. Oui. C'est de la harissa. La moutarde avec la moutarde. Tu veux pas du coca? Camille. Non, avec des pâtes. La moutarde. Très bien, c'était impeccable. C'était impeccable. Karine. Hello Karine. Ah, la bouche pleine. Monsieur le Président. C'est très bon. Excellent, hein? Excellent. Donc ça donne envie de vous revenir. On revient, le même prix, oui. On revient tous. On revient. C'est bon ? Pour le même prix. Couscous, c'est nickel. On va gagner le même prix pour venir. Alors, il était comment ce couscous là ? Impeccable. Impeccable ? J'ai rien à dire, moi. Rien à dire ? Non, non, moi non. C'était. Sinon, si ma patronne voit ça, après, elle va plus m'envoyer. La... Comment t'as trouvé le... Très bien. C'est bon, hein ? Impeccable. Trop bon. Benjamin ? Oui. Comment ça se trouve, là ? Bah, la semoule était un peu épaisse, mais sinon, c'était bon, hein, quand même. Le vin, il est bon aussi, j'en profite bien. On va demander à notre, notre capitaine de route, en rouge, chapeau en rouge. Chapeau en rouge. Alors, comment il a trouvé le couscous et tout ? C'est parfait, je suis très bien. C'est bon, hein ? Comment ? C'est excellent. C'était très bon. Bon. L'autre capitaine de route là. Capitaine numéro 2. Ben, je suis satisfaite du bon repas que nous avons mangé. Et j'attends de voir la suite de la journée pour finir cette journée en beauté. Mmh. Bon alors. C'était comment? C'était bien, j'attends le dessert. C'est excellent. Hein. J'attends le Mont Blanc de. Le Mont Blanc? Ah non, le Mont Blanc, c'est, le Mont Blanc, c'est des Antilles, ça. Et vous l'avez pas fait pour goûter? Ah non. Alors? Sylvia, t'aurais dû quand même. Oui, bien sûr, Yael. Je n'ai rien d'autre à dire, tout a été dit. Je ne peux que confirmer ce qu'on dit. Que c'est excellent. Voilà. Et Miss. Toi habitué aux couleurs exotiques et à tout ce parfum exotique, comment tu as trouvé ça? C'était très bon. Excellent. Formidable. Hein. Bon. Okay. Rien à dire. Ça? Très bien, il dit, très bien. Ton top, hein? Au top. Vous avez trouvé ça comment? Splendide. C'était bon, hein? Très bien. Bon, Michel, c'est même pas la peine de te le demander, tu vois. Toi, t'as un berbère dans l'arme, quoi. Hein? C'est excellent. Mademoiselle, non? Si, c'est bien. Impeccable. Super. On reviendra. Impeccable. Impeccable. Tout le monde sait impeccable. Ouais, ouais. Monsieur, elle n'a pas fini, là, en plus. C'est bon, hein? C'était très bon. Bon. Amis? Reviendra? Il va fermer, hein? Nickel? Nickel. Comment c'était? Très bon. Très bon. Et lui? Parfait. Parfait. Bon, il y a plus que mon ami. Hein. Bon, le il est à fond. Bon, le gozoulou. Midi. J'ai engrillé. À toi, Léa.
caméraman. Caméraman. Mais c'est lui qui nous fait tous nos films. Ah, c'est lui qui fait les montages et tout. Ah, c'est génial. Ouais. Franchement, bien. Je suis bien. J'ai bien mangé. Je me reconnais. C'est rare que je mange comme ça, mais aujourd'hui. Arrête de me regarder avec ton caméraman. Ah, la maison, je mange pas du tout. Mon assiette, je le termine jamais. Heureusement qu'il est là, il dit. Parce que il immortalise le moment. Pour pouvoir prendre ce que j'ai mangé. Là, t'es où? Oh là! Je vois que tout le monde est au café. Voilà, ils sont au café. Bah, t'en as déjà fait? C'est dangereux, elle a jamais fait. Pas en avant, pas en arrière. Pendant que tu y es, tu fais le service. Hein. Les pommes feu, roulis, roule là, les pommes feu, non. C'est nous qui conduisons. Vous allez voir. C'est bon, café, hein? Oui, très bon. Se lever, alors faire des efforts, etc. Je crame. Et après, voyant que la route commence à être longue. Oh, je dormais. Faut pas me prendre en photo pendant que je dors. Ah bon? J'avais pas la sensation du sommeil, moi. Non, mais j'étais dans mes pensées. Je tombe. Et donc vous êtes à l'ombre. Pourquoi vous avez choisi l'ombre là? Parce qu'ils sont tous au soleil là. C'est l'ombre et la lumière, nous on a choisi. Parce que nous sommes déjà des soleils. Voilà. Oh. Ils ont réponse à tout. Ils ont pas vu ma tête quand je suis passé pour un euro. Le couscous c'était très bon. Merci. Et il m'a dit de vous faire les compliments parce que lui il m'a dit qu'il a fait qu'éplucher les légumes. Hein. Voilà. Et encore. Et encore. Bon, okay. Bon, ça vous a plu, ben, c'est le principal. Voilà. Merci. Bon. Alors le quad, ça se passe comment le quad? Avec Sabine. C'est Sabine qui va emmener tous les quadeurs, toutes les quadeuses. Et moi j'emmène tous ceux qui veulent faire du 4x4 en baptême là. Et... Ah moi je veux bien ça le 4x4. L'émotion ils sont garantis. Ils sont style africain. Les 4x4, oui, c'est nos 4x4 de raid qu'on utilise dans le désert. Donc, là, pas de chance, parce qu'habituellement, on a les 4x4 de course qui sont là, mais on est en intersaison, donc on vient de revendre tous nos 4x4 qui sont homologués T2, tout ça, donc on ne pourra pas les faire voir ou monter dedans, mais on vient de recevoir les nouveaux 4x4 qui sont pré-équipés, ils ne sont pas encore complètement équipés pour la prochaine saison où on fait les Paris-Dakar cet hiver, après on part deux mois en Mongolie, on a plein de voyages de prévus comme ça. Oh là là. Tout l'hiver, pendant six mois, on est parti dans plein de pays comme ça. Ouais. Ça, c'est une vie, ça. Il faut aimer la bouchotte, hein. Ah oui, ça c'est clair. C'est que... le moins de le dire. Ah, ouais. Bon, on a des mines sur le terrain, il faut savoir. On a des... C'est pas une blague, je vous jure que c'est vrai. On a des mines, on a des fumigènes, on a tout ça, parce qu'on a trois terrains de paintball. Donc, on a des mines de peinture. Tu marches dessus, paf, ça pète et tout. Ouais. Et la couleur est-ce que non? Là, c'est de la couleur qui est, comme on dit dans un parc régional, on a voulu avoir, nous, des... on a attendu 6 ans avant que ça se fabrique, que ça existe, un truc biodégradable. C'est-à-dire qu'on a des mines de peinture qui sont gélatine de porc. Et la peinture qui est à l'intérieur, c'est du colorant alimentaire. Donc, à la limite, on peut en manger. C'est vraiment dégueulasse. C'est la merde, c'est ils ont pas de nous. Tous ceux qui sont là, vous pouvez partir avec quad. Il va vous expliquer ce que c'est le quad. Oui. Et le deuxième qui le guide. Parce que le gars qui est, ou la femme qui est sur le quad a les yeux bandés. Hein? D'accord? De quoi je peux pas? Et donc, il y a le circuit à faire. Ah non! De quoi? Non, c'est connerie ou quoi? Ah non, non, non. Je suis pas de squad, moi. Ah non, 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 non. Moi je filme, c'est toi. C'est moi qui en skid. Les yeux bandés. Les yeux bandés, non, je peux pas, moi. Moi j'en ai déjà fait, moi. Donc, ben bah, allez-y tout seul. Qui veut commencer? Je suis rien du tout, hein. Mais après on change. Après on change. Donc l'accélérateur, c'est au pouce. Michel, comment? Donne l'exemple, Michel. C'est juste le pouce. Hein. Ouais, jamais à fond parce qu'il cale. Donc on y va doucement. Le frein, essentiellement au pied. Prenez pas le. Michel, petite déclaration avant de partir. Michel, une déclaration avant de partir. Je suis un peu stressé, mais bon. Mon copilote, c'est Graal. J'espère que ça va être bien. Je souhaite revenir entier. Hein. Je pense que ça va le faire. Et je dois être derrière ou devant? Derrière. Hey, les yeux bandés, on t'a dit. Hein. T'as pas le droit de toucher le quad. T'as pas le droit de toucher ton
coéquipier. Ah, il faut éviter. Donc, si tu touches ton, le quad ou ton coéquipier. Ah, il n'est pas derrière moi. Non, il est à pied. Ah, non, 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 il est à pied. C'est pire. Et donc, c'est 10 secondes de pénalité à chaque fois. Si tu arraches une rondalier, c'est 10 secondes. Alors, je suis là. Voilà, donc, tu pars là et tu fais le tour. L'arrivée est ici. Ah, c'est juste. Comme ça, il pourrait être ici. Je suis là. Attends. Michel, attends. Bah, tu verras rien. Fais ton assurance. Ça va pas, Michel. Tu vois quelque chose? Ouais. Tout droit. Tu vois quelque chose? Non, je vois rien. Dis, pousse-toi, parce que... Dégage, je dis. Ouais. Ouais. Alors, surtout, si tu accélères, doucement, sinon il calme. D'accord. Go. Voilà. T'es encore sur place, hein. Il est arrivé. Ça y est, vous êtes arrivé. Ah, il est en point mort. C'est bon. Il est là. C'est au pied, Ludo. Jusque là, ça va. Allez. Donc tu le feras au pied. Le copilote, c'est important. Très important. Qu'est-ce que la sensation d'avoir les yeux fermés? Ah bah c'est compliqué, hein. Tu me vois là? Non, pas du tout. Non. Bon, alors c'est que c'est bon. Bon, donc. Okay. Quand vous êtes prêts, vous me le dites. Bah c'est parti. Bah c'est bon. C'est bon? Ah ouais. Allez, go. Allez, tout droit. Attends. Il est pas en vitesse. Il est pas en vitesse. Voilà. Attends, je remets à zéro. Hein. Attends, avant toi, tu vas. Allez, go. Gauche. Tout droit. Gauche. À gauche, Ludo. Il a joué, Ludo. Non, mais c'est le copilote qui doit t'indiquer. Là-bas. Vas-y, tu risques rien. Vas-y. Vas-y, il a fait meilleur. Vas-y, accélère, tu peux y aller. Non. Attends.
Tout droit. Vas-y, chef. Non. Tout droit maintenant, tout droit, c'est bon. Non, tout droit, tout droit. Redressez. Il est mort. Attention. Voilà. Ouais. Vas-y, tout droit. Viens, vas-y, Michel. Ça, c'est à cause du copilote. C'est toujours la faute de quel. Fais quoi comme effet, les yeux bandés? Bah, noir, hein. Toi? Noir? Ouais, noir. Moi, je suis marron, moi. Le copilote, c'est qui? Vas-y, Camille. Attendez, va me dire. Monsieur Bémerou, là, on va voir si vous êtes un bon manager. Attends. J'ai le droit au bruit. C'est Camille qui guide. J'ai le droit au bruit. Attends, qui est-ce qui guide? C'est Camille. Ah, Camille, t'aurais dû faire le contraire. Attends, je fais un briefing avant. Camille ou moi? Qu'est-ce que c'est facile, les yeux ouverts, hein? Non, les yeux sont pas bandés. Camille. Ça fait 2 minutes déjà. Allez, tout droit. Ça fait 2 minutes. Trop beau la merde! Camille, t'es à gauche, pas à droite! Dirige, ok? Virage à droite, c'est à droite. Écoute-le bien. Ok, Eddy, quand je te dis virage, il faut tourner le guidon. À gauche ou à droite? Quand je te dis à droite, c'est à droite. À gauche, à gauche. Ouais, gauche. Non, de toute façon, il n'y a que des droites. Accélère. À gauche, légèrement à gauche. Tout droit. Oh là là.
hein. Ouais. Tu pourrais, c'est pas zéro, hein. C'est pas zéro, hein. C'est bon, t'es prête, hein. Ça y est, je suis prête. Alors, freine. Elle est même pas. Voilà. Allez, hop. Ah, c'est trop fort ce truc là. Non, pas pour le moment. Ah ouais, faire. C'est cool. On a un barman. Madame la chef. Oui, merci. Allez hop, c'est parti. C'est que la 8 là. Allez, la 8. Mais ils sont bons, hein. Merci, Milton. Ouais, bah ils ont pas les yeux. Allez, allez. C'est que la 8 là. Ouais, ouais, merci. Dédit, Lyon. Ouais, je suis là. Blandine et Tabari. Non, il sait où. Ouais, ouais, je vous emmène donc tous les 4, les 2. En 4-4, un baptême 4-4 aussi qui vous reviendra. Et bah le record, non qui passe, genre, non, mais genre, j'emmène les 6 derniers. Ça Vous avez bien profité du quad. Nous, je vais faire un tour en 4-4, moi. Ouais, je vais 4-4. Surtout film, hein. Film. Chef, on a chaud, hein. On a chaud là. Chaud, là. Ah, oui. Donc je vous préviens qu'on va rencontrer des lions, des rhinocéros. Ouais. Et il y a de la place dans le coffre. Un brontosaure. Ah, il y a de la place dans le coffre. Un brontosaure. Il y a de la place. Pas doucement. Hein. Bon alors Blandine, t'as fait le meilleur temps. Les autres, ils en reviennent pas, ils arrêtent pas d'en causer. Génial. Tu sais, quand on est bien guidé par la voix et quelqu'un qui parle fort devant, ça m'a été fixé sur la voix, donc c'est vachement bien. Vous allez voir, c'est peinard le 4-4. Alors on va essayer de monter ça, parce qu'avec les autres j'ai pas réussi. On va pousser, c'est quoi? Non, c'est pas ça, c'est que là j'ai bouffé trop de couscous. Bon, on a pas pu, on est resté bloqué au milieu alors. On y va, on essaye. On va y arriver parce qu'il y a la caméra. Ça fait quand même. Ah, la caméra. Ton prénom c'est Eddy. Eddy, c'est vrai, oui. Donc Eddy, tu fais office de copilote. Voilà. C'est bien ça. Donc Eddy, qu'est-ce que tu dis? À gauche? À gauche. Alors, il est à gauche. Oh là là, le précipice, on se voit dans la jungle africaine. Oh là là. Il y a des précipices dans la jungle africaine. Ah ben oui. Ah oui. Ouais. Génial. On a à peu près 35 km de piste que chez nous, en fin de compte. Donc c'est pas la peine de sortir ailleurs dans les chemins et partout. C'était comme ça d'origine ou bien vous l'avez travaillé? C'est une grosse carte. C'est un loup. Le lac est... vous la voyez la grosse carpe là-bas entre les deux bouts de bois? Oui. C'est bien sans blague, hein. Tu vois le truc blanc entre les deux bouts de bois là-bas? Ouais. Dans l'eau, c'est une carpe, elle est bien comme ça. Une belle bête, hein. Elle est bonne à manger. Tranquille. Oh non, c'est pas trop bon une carpe. Bon, il a dit à droite, hein. Je suis désolé, mais il a dit, j'ai entendu moi. À droite. Il a pas dit fort, mais il a dit. On a dit à droite. C'est ta faute, hein. À droite. À droite. Oh là là, c'est beau. Ah, mais c'est l'avantage d'avoir le. Alors, attention, à gauche, il y a un brontosaure. Donc, on passe à. Alors, un truc que je vous ai pas dit, c'est que, bon, comme c'est qu'il y a un 4x4 qui va faire le Paris Dakar cette année, donc on vient d'acheter, mais on est en train de le rééquiper et tout, mais le moteur fait déjà 250 chevaux. Oh là. Alors, pour l'instant, on se rend pas compte, mais vous allez voir, pour monter une côte, c'est idéal. Dis donc, mais. Oh là là! Dis donc, ça monte! C'est de la balle! Mais ça rougit comme un brontosaure! Franchement, elle est terrible! Et on est 7 dans la voiture! Monter du poids quand même! Oh là 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 là! Ah oui, surtout moi que bien! Il y a Eddy déjà, il en compte pour 3! 200 kilos! Déjà, il y a les lunettes et les casquettes en plus, on se dit pas! 200 kilos plus la caméra! Ouais, petite descente! Camille, t'as pas peur? Non, mais c'est puissant. Elle a, mis ses lunettes de soleil pour cacher. Elle a peur. Ça y est, Camille. Elle a fait la chose. Il y a fait le Paris Dakar là, c'est vraiment bien. Comment? Le Paris Dakar. Oui. Vous l'avez déjà fait? Moi, je l'ai fait 4 fois en moto, 4 fois en voiture. Oh là là là. Et puis un paquet de fois dans l'assistance. Ah.
y a des couacs devant, faut me le dire, parce que comment on emprunte la même piste. Ouais, mais on s'en fout, c'est nos collègues. On va pas les mettre en danger. Bon, voilà, on y va, là. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. Waouh. Donc, avec ces amortisseurs, à gaz, parce que l'huile, ça s'échauffe. Ce qui travaille le plus sur les 4x4, c'est les amortisseurs, ça arrête pas de monter et de descendre. Si on met de l'huile, ça va faire fuir les joints et au bout de 1000 km, ils sont plus mous. Donc, on met des amortisseurs à l'azote et on peut rouler à 160 avec ce véhicule-là sur les pistes sans bouger. Je le sens. Je vais équiper ma voiture comme ça alors. Donc, vous avez une de ces domaines incroyables. Hein, cette donc, vous voyez, il y a des montées, des descentes partout, dans tous les coins. Non, c'est pas le genre de truc qu'on fait du 4x4. Non. T'as pied, quand on fait déjà toute la tour à pied. Mais le parcours, vous l'avez fait vous-même ou bien? Ouais, à force de passage. Il n'y avait pas de passage, donc à force de passer avec des voitures ou des quoi, des trucs comme ça, enfin, on a fait le passage, c'est des pistes. Puis il y a des années, ben, on passe plus, parce que ça referme les pistes et puis on en ouvre pas d'autres. Alors derrière, là, ça va? Vous avez ça va, ça va. Trop d'impression, ça se coupe beaucoup, hein? Ouais. Oh là là, ça bouge, aïe, mamma mia. Waouh. Je comprends, avec ça, on a... le nom 4x4, man. Ouais. Pourquoi on l'appelle 4x4? Je crois que je vais transformer ma 5 en 4x4, moi. 4x4. Et avec le 6-6 qui est là-haut, on peut aussi la même chose. Et le quad passe ici aussi? Le quad, ouais, bien sûr. Vous avez passé par là, tout à l'heure. Là, c'est plat, c'est tranquille par là. Bon, si on tassait un peu le couscous là. Ah ben le couscous ça travaille en ce moment, hein. Ça travaille? Ah oui. Allez, travaille, ça bouge à gauche, à droite. Le compteur il y a combien là? Oula, oula. Ah, je parlais de tasser le couscous, hein. Bon, c'est cette côte-là qu'on prend pour une 4x4, mais j'ai presque envie d'essayer aujourd'hui. Ouais, toujours vrai. Ça vous dit? Ouais, moi ça me dit, je pense que ça va passer. Samedi dimanche, maintenant Non, mais ça passera. Bon, on va le faire, tiens. Oh, moi je pense que ça passe. En seconde, sans élan. Vous allez voir. On le passe. Moi je dis qu'on le passe. Proche de Golgozoulou. Oh là là. Qu'est-ce que tu dis, Blandine? 3 quarts de décembre? D'accord, bon bah ok. Non, c'est Blandine qui a dit ça, j'ai entendu. Hey, Nordine, il est où Nordine? Bon alors? Nordine! On va descendre. T'as vu la taille? Hein? On va descendre. Non, on va descendre. Alors, vous êtes derrière là, ça va là? Vous avez pas peur là? Moi je suis pas trop vite quand même. Hein. C'est parce que c'est toi qui fais ça ou c'est parce qu'il a pas envie? Non, parce qu'il a 200 kilos devant alors, donc il y a. Mais évidemment, ouais, une belle vue de là. Ouais, quel précipice du nom. De temps en temps, le soir, on vient avec Sabine, on s'arrête là et on voit les chevreuils passer d'une forêt à l'autre là, sur le terrain. C'est assez sympa. Ça ressemble un peu à l'Afrique, je trouve. Non, je sais pas. Non, oui, c'est un peu plus... oui, mais ça fait un peu africain. Voilà, c'est une descente qu'on descend tranquillement en frein moteur. Alors, il faut appuyer sur l'accélérateur ou le frein, mais jamais sur la pédale d'embrayage. Parce qu'on récupère le poids du véhicule, puis le véhicule il devient complètement à contrôle. Donc, jamais, nous surtout, ne toucher à la pédale d'embrayage. Ben sinon, le résultat, bah, ça fait ça. C'est catastrophe. Voilà. Ça fait cascade. Ça fait cascade. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon à refaire, ça. Non, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, nous, on est formateurs pour les pompiers. Alors, quand ils passent le code 4, pour eux, c'est un terme technique, pour les feux de forêt. Donc, ils viennent là avec un véhicule de 17 tonnes. Il y a 17 tonnes d'eau derrière. Et évidemment, on les fait évoluer dedans. Alors, ou c'est plein, ou c'est vide. Mais on ne peut pas le faire avec la moitié d'eau. Parce que quand il y a un dévers, bah, ça basculerait, évidemment, on se retournerait. Et un jour, en descendant avec le camion, je dis au gars, attention, si tu appuies sur l'embrayage, comme je venais de faire tout de suite, là, on ne contrôle plus le véhicule. Et le gars, il appuyait. Il a eu un réflexe malheureux, il a appuyé dessus. Et on s'est arrêté à ça de la rivière. Et le mec, il a... Il était tout blanc, il me regarde, il fait « j'ai compris hein. ». Tu m'étonnes que j'ai compris moi aussi. Eh oui. Pourquoi on ne fait pas à gauche? Non, on va faire à droite. Non, parce qu'on fait un parcours que pour ne pas avoir à se croiser avec Sabine. Ah d'accord. Oh là là là. Les amortisseurs, on sent c'est du gars. Oh, la paix. Oh, on peut l'attraper. Oh. Non, c'est un corbeau là. Petit lapin. Oh, ouais, c'est un lapin gros. Oh, le petit lapin vient ici. Et puis, ah, c'est un général.
Ça, c'est le vrai 4x4 celui-là. Hein. Avant, je décollais, mais j'atterrissais pas des yurts. Je me fais engueuler, ça mine à la croix d'humour. Donc, c'est pas du mensonge qu'on voit dans les films style Fast and Furious. Avec l'azote. Ah non, c'est pas des blagues parce qu'on utilise. Hein. L'azote est un gaz neutre qui ne chauffe pas, donc on utilise pour les voitures. Ça, c'est ouais. Vrai. D'ailleurs, on est passé en bas, je sais pas si vous reconnaissez. Oui. Non, Blandine ne reconnaît pas. Non, attends, on va aller voir un peu mieux. Ah bah non. Ah si. Non, bah c'est juste pour voir, on va faire une marche arrière. T'inquiète pas, on va pouvoir y aller là quand même. Si, non. Bon. On essaye. Oh là là. Bon, on essaye. Bon, on va le faire d'une façon différente de tout à l'heure. Tout à l'heure, j'appuyais pas sur l'embrayage, j'étais au plein moteur. Là, j'appuie à fond sur l'embrayage et on va le descendre de façon ce qu'on appelle trialisant, c'est-à-dire au fond. Le fait, c'est qu'il a déjà fait. Vous allez voir. On va le faire, mais tout doucement. On s'arrête quand on veut. Mais comment il arrive à descendre comme ça le truc là? C'est impressionnant quand même. Hein. Bah ouais, regarde-toi. On est pratiquement à 50% et la voiture ne bouge absolument pas. On l'arrête quand on veut. On contrôle vraiment la descente au centimètre. Moi j'ai deux pieds de trois gars. Moi j'ai des poissons rouges. Et moi j'ai une chienne à nourrir. J'aime bien ce coin-là parce qu'en général on peut pas me piquer mes poignets, tout le monde se cramponne. Non mais c'est impressionnant quand même, franchement. Ouais, ça descend tout seul. Bah, un truc qui est sympa aussi, c'est quand on est une trentaine de véhicules à descendre, on arrête après dans le champ là-bas puis on vient à pied voir les autres descendre. C'est plus impressionnant de voir les autres descendre pratiquement que d'être dedans. Et vous voyez, aucun danger, on dérape pas, on fait ce qu'on veut vraiment au millimètre près. Alors que c'est que de la gravasse, pratiquement on se serait parti. Et rien qu'avec le frein, voilà. Donc, c'est des véhicules préparés aussi pour le soutien. Hein. Mais c'est descendre tout seul. Mais il y en a pas mal qui se rappellent, ouais, regardez l'écorce de l'arbre, là, il y en a pas mal qui ont mangé l'écorce de l'arbre. Ouais. Non, c'est impressionnant. Là, je voyais bien aimer voir la descente avant. Ah ouais, c'est ça qui est. Vraiment descendu, là, c'est pas possible. Ouais, regardez. Là, ça fait une belle montée, hein, une belle descente. Hein. C'est dommage, c'est que les images, ça écrase un petit peu. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté, tu sais, pour le repère. Caméra embarquée en 4x4. Vous avez vu comment ils ont peur? Ils ont peur à l'arrière. Ah ouais, ça fait peur là. Hein. Par contre, le conducteur, il a pas peur. Alors, je vous signale qu'à cette vitesse, nous sommes quand même à 80 km/h. Hein. Là, je ralentis parce qu'on peut peut-être croiser les autres coups. Ouais. Wow. Eh bien, je ne connaissais pas que ça venait un 4x4 moi avant. Je reviens de me faire la descente là. Impressionnant. Non, je l'ai tombé là. Ça, c'est un quad qui est suspendu. Là. Ça dépend des voitures. Ça dépend. Il y a ceux qui sont. Là pour l'instant, on a encore de l'eau trop haut dans les tanks d'à côté là-bas, mais on passe, on attend juste que la 4x4 est étendue. Mais là pour l'instant, il y a de l'eau plus haut plutôt, alors on va pouvoir y aller. Il y a les cartes qui sortent là. Ouais, comme ce qu'on voit là, c'est des grosses queues. Bon, ils sont pas ivres avec des rames. Non, on va faire jaune. Bon alors Eddy, ce que je vais te demander là, ça va être une décision rapide de ta part. Je vais te poser une question en deux secondes pour que tu me dises. Oui. D'accord, on va à gauche ou on va à droite? À droite. À droite, t'es sûr? Oui. Ah, oh, t'étais trop long. Ah, tout droit. Yeah. Oh là là. Eddy. Regarde, on voit même plus le ciel là. Blandine? Non, regarde. Cette côte là, j'aime bien. On va la prendre tout doucement, vous allez voir. En première, on ralentit. Et à un moment donné, on n'a plus l'impression d'être dans une voiture. On voit plus que le ciel, on voit plus la piste, on n'a plus rien. Ah ouais. Ah ouais. Là, c'est bienvenue sur Grand Savannah Rise. On a décollé. Moi, c'est bien ces roches que vous avez pour la maison devant la tente.
Oui, c'est les bières qu'il y a là. Morceau, vous avez du collé, je pense. Non, c'est même pas collé, c'est posé comme ça. C'est les pierres de la maison avec laquelle elle a été fabriquée il y a 250 ans viennent de là. C'est ce qu'on appelle du roussin. T'as vu, c'est un peu roux, il y a du fer dedans. C'est vraiment génial comme... Vous avez du 4x4, vous avez un vrai 4x4, en le faisant tranquillement, vous passez n'importe où sans le casser. Vous voyez, ça se peinard, on passe n'importe où, ça croche. Ah, qu'est-ce que je jouais merveilleux ça en Martinique, moi. Et en plus, j'ai le blocage différentiel avant, arrière et central. Il y avait trois blocages là-dessus, je les utilise même pour le temps. On les utilise vraiment quand ça va mal, et là, c'est tout seul. Oui, parce qu'ils ont montré, j'ai vu sur une pub, c'était... là. On va digérer le couscous comme ça. Ça va, derrière? Ça va, derrière, là? Ah, c'est génial, moi, je vous fais ça tout le temps, hein? Oh là 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 là! Quand est-ce que vous faites le Dakar, je parle avec vous? La fin, mais... Nous, on y part le 27 décembre. Oh, c'est génial, franchement! Je n'ai pas fait de quad, j'ai fait le 4x4. Du 4x4, assez. C'était chouette, hein? Assez chouette. Surtout ouais. La descente. Hein. La descente, la montée, les virages. Ah, c'est beau ça. Ouais. Ça donne envie d'acheter un 4x4. Pas pour le moment. Moi, j'ai bien envie de prendre un 4x4. Quand je vois ça, ça me donne des envies. D'aventure. J'étais derrière la monitrice. Merci pour nous avoir amené ici. Je vous en prie, avec plaisir. Parce que je reviendrai. Avec plaisir. Et je vais vous embêter. Côté positif, la fin, juste très positif. Il a battu le record. Okay, ouais, je crois. C'est impressionnant quand même. Ouais, les yeux bandés. Mais les yeux bandés, les yeux ouverts, pareil. C'est incroyable. À mon avis, il doit avoir un laser dans les yeux. Ouais. On aurait dû vérifier avant. Moi, je suis entré dans le... deux fois dans le filet, là. Ah. Aïe, aïe, aïe. C'est à cause de ce monsieur. Bah là, il descend en quoi. Oh ! Ouais ! Ouah ! Ouais ! Ah ! C'est qui, ça, c'est Hull, c'est un bonbon ? Une Charlotte. Sur la tête. Chou, ouais, chou. 1, 2, 3. Je peux pas filmer, moi. 4. Non, c'est pas facile de conduire et filmer en même temps. On va pas, moi, si tu peux faire l'air. Oh, les mains. Ah ouais. Oh, les mains, ça braquage. Il est où le reste de la bande? La bande à bisous, s'il vous plaît. Si on te demande, tu dis que tu sais pas. Ouais. Chef, on dirait un cuistot. Allez hop. Oh, le nouveau cuistot est RATP. Fais-moi un brochis. Fais un brochis. C'est pour faire les brochings, non? On va recommencer. Hein? Oui, merci. On fera les brochings. Bah, tu peux y aller. Non, bah si, mais justement, on dit qu'il y a la main. Non, mais derrière, elle, c'est bien. Chercher un casque. Vous mettez une Charlotte et après, vous choisissez vos casques. Mais qu'est-ce qu'il va filmer, il dit maintenant? Tu le filmes parce que t'es doué, quoi. Alors là, je vais rentrer dans ma tente. Je vais dormir là ce soir. Je remonte pas. T'as bien raison. Bah, on te souhaite une bonne nuit. Hein. Oui, c'est pas mal, ça. Hein. Ah. Ah ouais, tu sais d'où vient cette tente là? Oh là là, mais c'est ça, c'est des tentes inuites qui viennent du Grand Nord canadien. C'est bien. Ouais. Il y a tout, il y a la table pour prendre le thé, il y a également les poufs et le lit. C'est voilà. Avec ce genre de tente là que vous voyagez. Alors maintenant on les emmène dans le désert avec nous, ça nous permet d'avoir une petite intendance là-dessous. Et vous n'avez pas froid le soir? Non, c'est très 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 chaud. Non, il n'y a aucun souci. Ah, et on a des poêles qui se mettent dedans, tu vois là, tu as la cheminée. Ouais. Donc ça c'est prévu pour mettre la. Dans ça là? Ouais, il y a le tube qui arrive là et puis le poêle est juste en dessous. Ah ouais, d'accord, il s'est fermé. Et c'est fermé. Donc, et vous n'avez pas peur que les lions étaient comme ça? Non. Ah bon? Il n'y a pas de souci. Vous avez entendu un lion, moi j'avais peur parce que c'est pas solide ça, c'est solide. Ouais, mais ils viennent pas avec ça. Ah bon? Il y a une petite lumière qui les chasse? Ah non, même pas. Même pas. Non. En tout cas, c'est génial. Franchement,
Voilà, ça c'est le parfait, la parfaite tente du baroudeur, c'est-à-dire un homme habillé comme ça, ou comme le monsieur là, oui. Faut pas avoir peur de se salir, hein. Mais c'est une tente de baroudeur avec le lit du baroudeur, les poufs du baroudeur, il y a tout quoi. Voilà, merci beaucoup. De Mongolie. Celles-là font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'elles viennent vraiment de là-bas. Ah d'accord. Et elles sont toutes aménagées? Elles sont toutes aménagées. Non, je vous ai demandé de pouvoir rentrer parce qu'elles sont louées, il y a du monde dedans. Là. Ah ok. Enfin, ils sont partis faire un tour sur le terrain, mais tu vois, il y a un lit bébé et tout, donc on les aménage. Ah comme oui, on d'accord. Veut. Ouais. Il y a les lits et tout. Ça, c'est leur maison vraiment d'habitation en Mongolie. Elles viennent de là-bas, donc il y a un poêle central. Ils vivent dedans jusqu'à moins 50 degrés sans problème. Moins 50 Ah ouais, ben, là, tu as de la laine de mouton feutrée. C'est ce qui fait l'isolation ici. Ah d'accord. La laine de mouton. Et l'été, c'est très tempéré, nous. Quand il fait très chaud, on va dedans l'été, c'est très, très frais, c'est très bien. Oh là là. Regarde dedans, avec, filme, tu vas voir, c'est assez sympa. Les perches qui sont en haut, il y a de la lumière, elles sont juste posées comme ça, c'est peint par les femmes, il y en a 81, il n'y a aucune vis, il n'y a aucun clou qui tient quoi que ce soit dans la yourte, tout est posé. C'est incroyable. Et on fait chambre d'hôte dessous, c'est très très agréable. Non, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est frais à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. C'est impressionnant. Donc on en a plusieurs comme ça sur le terrain. Les dessins, tu vois, sont faits par les femmes aussi, c'est très très chouette. Non, c'est chouette, c'est beau, hein. Ça fait 28 mètres carrés, c'est très grand. Parfois, il y a des gens, c'est des étudiants, ils ont des petits appartements de 9-10 mètres ouais, carrés. Ouais. Là, ça fait 28 mètres carrés. Non, c'est génial. Franchement, c'est très très beau. Été comme hiver. Ouais. Et l'été, on a d'autres tentes. La tente berbère, vous avez mangé ce midi, on en a une autre identique, un peu plus petite, qu'on pose sur le terrain pour servir le thé, offrir le thé aux invités. Et on a une tente mauritanienne. De chaque pays, on ramène des Mauritanie de Mauritanie. Elles sont en toile, alors? Alors, c'est uniquement une toile avec l'intérieur dessus, c'est du patchwork de couleurs. Ah ouais. Mais on la sort pas en ce moment parce qu'il suffit d'une petite pluie, comme ils n'arrivent pas à fixer les couleurs là-bas, et tout va dégueuler en fin de compte, ça sera dommage quoi. Ah bon? Donc il faudra fixer les couleurs pour pouvoir les sortir par tout temps. Et c'est vraiment très 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 beau. Donc on a pas mal d'habitats originaux, des peuples premiers, et on aime bien proposer ça et les faire voir ici. Quoi. Non mais c'est bien, c'est une très bonne idée. C'est sympa. Journée madame. Oh, oui, super, extrêmement sympa. Hein, extrêmement satisfaite, j'ai pas entendu la suite. Qui m'a demandé de l'eau? Excellemment satisfaite. Merci. Vous reviendrez? Très certainement, lors d'un prochain voyage, offert par ma chère entreprise. À condition que je travaille bien et que je sois la première dans le challenge. Ça fait beaucoup de... Parce que conditions. Oui, ça fait des conditions. Surtout que là-bas, j'étais nulle. Alors, nulle de chez alors. Si, si, oui, oui, super la journée, vraiment. On regrette pas. En plus du beau temps, aucun regret. Que ça continue et que ça dure et qu'une journée soit prévue pour l'année prochaine sur le même site, c'est génial. La rose des sables. C'est pas j'ai cramé, c'est... J'ai fait quoi de ma petite bouteille, de la poussière que... Alors, est-ce que t'as quadé? Hello. Oui, est-ce que t'as quadé? Casquette quoi? Est-ce que t'as quadé? J'ai quadé 1 minute 44, sans pénalité. Ah, ça, c'est bien. Qui dit fort. Mieux? T'es trop fort. Nous, on dit mieux. Je non. sais. T'es trop fort. On devrait t'enlever de la ligne. Hein? On devrait t'envoyer ici en permanence. T'as vu? Ouais. Super, c'est un super truc. Un super. T'as passé une bonne journée. Quoi. Ah ouais, faut le faire, c'est vraiment bien. Ça te rappelle de bons souvenirs. Ouais, ouais, impeccable. Ouais. Franchement, je pense que ça a plu à tout le monde aussi. Hein. Mmh. Pourquoi tu lui donnes pas? Pourquoi tu lui donnes pas? Tu veux savoir? Bah oui. Voilà. On va rigoler. C'est lui qui l'a fait après tout. Oui. Bah ouais, bah tiens. Le tiens. Tiens. Alors, bah. 9e. 11e position, bah c'est toujours Jean-Jacques et Annick. N'empêche que c'est pas des filles. Donc, on est au 10e. Cathy et Nadine. Oui. Parce que là, j'avais dit pareil. En combien? Ça va? En 5 minutes quelque chose? En 5:30. D'accord. On pourquoi? En 9e. En 9e, c'est Eddie et Milton. On va dépasser l'amplitude horaire. Ah ouais, d'accord. De 30. Alors dépêche-toi parce que c'est le résultat. Si on se fait arrêter, on a une amende. Merci. Les trois premiers. 8e, les trois premiers, bah, bon. C'est facile. Benjamin, Julie. Numéro 3. 2e. Non, ça c'est le premier. Il est où Benjamin là? Lauréat, là, là, lauréat, viens ici. C'est Didier. C'est qui Julie? Lauréat.
Troisième, Nico et Blandine. Bravo. Bon, il est là, le lauréat, là. On lui fait un ouah, là. Ouah, allez. Ouah pour Benjamin. Bravo. Merci. Voilà. Eh ben, bravo et merci. Et puis, bon retour. Et bon courage. Merci beaucoup, hein. Donc, vous êtes là, mardi prochain? Non, ça va être difficile. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, oui, je vais négocier, mais je crois que c'est mal.